Bonjour les épicuriens, aujourd'hui je vous emmène au Bouchon de la Tour, à la Tour de Salvani. Allez, venez. Bonjour Fabrice. Bienvenue au Bouchon de la Tour. Merci beaucoup. On s'assoit ? Allez, on y va. Fabrice Guillon, donc chef propriétaire du Bouchon de la Tour. Mmh. Ça fait 11 ans qu'on est ici. Ouais. Une belle petite affaire. Génial. J'ai travaillé longtemps chez Pierre Orsi. Ouais. J'ai fait pas mal de golf dans la région, un peu à l'étranger, en Écosse, au Sheraton. Et voilà. J'avais une affaire à Courzieux. Mmh. Et je voulais m'approcher un peu de la ville. J'habitais Charbonnières-les-Bains. Et je suis venu me positionner ici. J'ai eu un vrai coup de cœur quand je suis rentré cette affaire. Elle ne ressemblait pas à ça à l'époque. Hein. C'était plus un bar qu'un restaurant. Voilà. On a un bouchon lyonnais, donc on fait une cuisine hyper lyonnaise, mais avec aussi beaucoup de suggestions qui n'ont rien à voir avec la cuisine lyonnaise. Je vais travailler du homard, des poissons, mais totalement différents. Enfin, on ne s'attend pas à ça ici, voilà. La tête de veau. J'ai une bonne renommée sur ma tête de veau, voilà. Et bien, une rapidité, une flexibilité, c'est-à-dire on peut commander peu. Pas de stockage, ce qui nous rend service, surtout pour moi comme moi qui est un petit établissement et pas trop de capacité de stockage, et surtout une diversité de produits que j'avais pas forcément. Domaine Galetti, j'aime bien. Merci beaucoup. J'en prie. Une petite visite de l'établissement ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. L'établissement se compose de deux salles, une salle bar et une salle arrière. Mmh. On a une capacité de 58 couverts. Ouais, en super. Intérieur. Une terrasse de 30 couverts. Super.